C'est génial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le DK, hein, plutôt rapide pour le coup. J'avais promis que j'essaierais le Breton et bah, du coup je l'ai fait. Donc du coup j'aurais essayé les trois, j'aurais essayé à la fois le haut elfe, d'abord l'elfe noir, puis le haut elfe et puis maintenant le Breton. Et bah je vous avoue que je ne suis pas mécontent, franchement. Parce que le Breton, j'ai eu une très bonne surprise. Alors maintenant, je précise que quasiment, enfin même tous mes tests DPS, je les refais sur ce mannequin-là, le mannequin d'entraînement d'épreuve à 21 millions, donc qui simule tous les buffs et debuffs qu'on peut avoir en raid. Et du coup, franchement, là, sur un combat sur la durée, le Breton, excellente surprise. Vu que le DK est quand même très très magivore, j'étais beaucoup en dash de magie, bah là, je ne le suis plus du tout. Que ce soit sur le mannequin comme sur un raid classique. Donc du coup c'est vraiment très bien. Et j'ai même. Alors peut-être que c'est mon gameplay qui s'est un petit peu amélioré aussi parce que je me suis beaucoup entraîné depuis. Mais j'ai peut-être fait un petit peu mieux en DPS. Je suis arrivé à un DPS qui me convient à titre perso. Sachant que j'ai toujours le même stuff. Hein. Je suis sur Chagrin Maternel, Bâton de Maelstrom et Siroria non parfait, qui est un peu défoncé. Plus le ZAN. Du coup, la différence aussi, ce qui est pas mal, c'est que avant en elfe noir et en haut elfe, comme j'avais précisé dans la précédente vidéo, soit je devais jouer la stabilité sur le mannequin qui me plaisait absolument pas, ou soit là sur le bâton de Maelstrom, je devais jouer avec un enchantement d'absorption de magie. Là, du coup, le fait d'être en DK breton, eh ben, me permet de retirer cette absorption de magie pour mettre un enchantement de dégâts physiques et magiques. Voilà, qui augmente mes dégâts de 452 pendant 5 secondes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et du coup le Breton, qu'est-ce qu'il m'apporte? Et eh ben il apporte magie max, la résistance magique, plus de la récup magie de sang, et réduit les coûts en magie de vos compétences de 7%. En vérité, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Ma magie, elle bouge beaucoup moins. C'est génial. Donc voilà, j'avais promis le petit retour. Le voici. Donc je vous conseille vraiment, finalement, le Breton sur un DK. Je pense que j'ai perdu en solo sur un mannequin à 3 millions. À mon avis, par rapport à l'elfe noir et au elfe, je pense que j'ai dû perdre. Mais bon, c'est sur un combat très court, honnêtement, pour les raiders. Voilà, on sera beaucoup plus souvent, voire tout le temps confronté à ce genre d'ennemis là, à 21 millions et résistant, que le petit mannequin à 3 millions là-bas. Donc ouais, franchement, si vous comptez aller faire du raid, je vous conseille vraiment le Breton. C'est un très gros avantage. Voilà, bah sur ce, je vous laisse, je vous montre un petit test DPS pour terminer. Donc c'était toujours malheureusement, c'est vrai que j'ai complètement oublié de montrer le stuff, donc vous devrez me croire sur parole, hein. Voilà, c'est Chagrin Maternel, Siroria et ZAN que vous voyez ici. Avec pas de triche chez moi, hein, y a pas de kikimeter. Ah, Vampire 4, juste ça par contre que j'ai oublié. L'ombre et le breuvage puissant de la mère sorcière. Voilà, il n'y a pas de triche, de compétences autres qu'en raid et surtout de bouffe autre qu'en raid parce qu'il y en a beaucoup qui font ça.
Voilà, bah 81 000 c'est pas non plus dégueu, hein, je pense. Et à mon avis, les 82K sont largement prenables. Parce que là, il y a des moments où j'ai raté quelques attaques légères. Donc bon, on verra. Je vais finir sur une touche un petit peu moins légère, malheureusement. Dans la dernière vidéo sur le DK, j'étais hyper enthousiaste. J'avais dit oui, ça y est, le DK il est revenu en force. On va de nouveau lui faire confiance. On sera plus mis sur le côté. Voilà, c'est bon. Bah, malheureusement, je me suis un peu trompé. Parce que il y a toujours un mauvais stéréotype, voilà, sur le DK. J'en parle parce que j'ai dit ça parce qu'il y a 2-3 jours, il y a un gars que je connaissais, hein, qui dit dans une guilde de pick-up, oui voilà, je cherche un DD pour VSS, le nouveau raid en vétéran. Moi c'est un mec que je connaissais, hein, encore une fois, je lui dis, je lui envoie, écoute, c'est bon, je peux venir en pyro. Il m'envoie, non, le pyro c'est de la merde. Voilà, je vous répète, non. Le pyro, c'est de la merde. Mot pour mot, cache. Là, malheureusement, j'ai pas le screenshot. De toute façon, même si je l'avais, j'aurais caché son pseudo. Mais là, je l'ai pas parce que je l'avais pris en photo sur mon téléphone. Mais bon, là, sur la PS4, bah, la résolution est pas bonne déjà. Et puis, ça aurait fait un truc pourri. Mais voilà, le mec, il m'envoie cache comme ça. Non, tu peux pas venir, le pyro, c'est de la merde. Et moi je lui réponds, bah écoute, je pense que voilà, il vaut mieux un bon pyro qui a déjà passé 5 fois VSS, ce qui est vrai, j'ai déjà passé 5 fois le raid, plutôt qu'un mauvais lame noir, ce qui certes va taper 90 000 sur le mannequin, et encore je suis même pas sûr qu'ils les font, mais par contre qui va vous faire wipe tout le long. Il m'a répondu, ok, bon, on va se faire foutre, mais voilà, je voulais vous prévenir, alors que pourtant le mec c'est un gars qui l'année dernière, ou il y a un an et demi, je sais plus, on avait farmé Vmol pour les premières fois ensemble, donc pendant 3-4 mois non-stop, 5 soirs par semaine, à travailler 4 ou 5 heures par jour, enfin par nuit du coup. Et pourtant le gars, il me connaît quoi, il sait comment je suis, il m'envoie le pyro, c'est de la merde. Bon. Voilà, donc malheureusement, je dis pas ça pour me plaindre, enfin si je dis quand même ça pour me plaindre, si, faut être honnête, mais aussi surtout pour vous prévenir que malheureusement à haut niveau, il y a toujours un handicap concernant la classe et qu'il faudra bah voilà vous battre en fait pour vous affirmer, pour vous dire écoutez les gars voilà je suis là, vous voyez je fais 81 000, les strats des raids je les connais, mais en fait il va falloir bosser deux fois plus qu'un mec actuellement c'est quoi qui tape fort balai nécro ou un templier magique etc, il faudra bosser deux fois plus pour vous faire accepter. Du coup j'en profite pour remercier la Insomnia et l'explosion qui me font confiance, hein. Merci Zou, Baka, et puis de l'autre côté Sebikong et Molo, merci à vous de me laisser ma chance de pouvoir jouer ce que j'aime et me faire confiance, voilà. Du coup, bah écoutez, je vous dis merci à tous aussi, merci de votre soutien, de vos encouragements et d'être là, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile, et bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou même in-game. Merci à tous, bon jeu.